Bonjour, c'est Yvon, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous propose d'étudier le thème de Sonny Rollins, Tenor Madness. Alors Tenor Madness c'est un blues en si bémol, avec un 2-5-1 à la fin, donc vraiment un blues typique qu'on joue en jazz. Mais bon, il y a une quantité de variété de cette grille, et donc ce thème induit certaines choses dans la grille, ou laisse un petit peu des différentes possibilités, on va en discuter juste après. En attendant, je vais vous jouer le thème et puis vous allez voir afficher à l'écran la tablature, la partition, en même temps que je la joue. Et vous pourrez donc suivre comme ça, ou si vous le souhaitez, vous pouvez également télécharger cette tablature, cette transcription que j'ai faite, en cliquant dans les liens qui vont se trouver ici ou sous cette vidéo. Voilà. Donc c'est parti pour Tenor Madness. 1, 2, 1, 2, 3. Vous pouvez ralentir évidemment cette vidéo, n'hésitez pas pour refaire le thème avec moi, et puis donc comme ça vous pouvez le travailler progressivement. Alors je vous donne quelques petites choses dans les doigtés aussi. Donc là moi j'écrase l'index ici, hein, je fais... Mais bon, je laisse pas mon doigt écrasé, hein, c'est-à-dire que je repositionne mon doigt à chaque fois. Hein. Et au niveau du médiator, j'attaque tout vers le bas finalement. Ou éventuellement, comme c'est des croches ternaires, hein, c'est un phrasé ternaire, quand je fais sol, si bémol, je fais et. Le et sur le sol, je l'attaque vers le haut. Ouais. Voilà, le sol, je l'attaque vers le haut. Comme ça s'enchaîne mieux. On pourrait tout attaquer vers le bas. Hein. Aussi. Et dans cette phrase-là, tout en croche ternaire, au niveau de la main droite, je fais tout en aller-retour. Hein. Donc pareil. On pourrait attaquer les premières notes vers le haut, hein, puisque c'est des croches en l'air, hein, mais... Comme elles sont un peu isolées, moi je les attaque vers le bas quand même. Mais si vous voulez être sûr de votre mise en place, effectivement, 1 et 2 et 3 et 4. L'idée, ça serait ça. Mais on n'est pas obligé de faire ça. Hein. Comme on a de la place, du moment qu'on est bien calé, on peut attaquer tout vers le bas comme ça, ou juste le sol vers le haut. Voilà. Ensuite, pour la longue phrase... Alors là, en fait, c'est pas évident à enchaîner, hein, parce qu'on a Do, Sol, Do, Si, Sol, Mi, Do. Il faut aller chercher le Do ici. Ou alors on joue avec les petits doigts. De cette manière-là. Et après, on a... Et là, c'est pareil, c'est pas super pratique. Alors, il y a des guitaristes qui préfèrent faire... ce qui est plus évident, c'est... ou alors carrément... Jouer avec le Sol à vide. Voilà. Moi, je préfère jouer toutes les notes. Donc, je descends mon arpège comme ça. Et après, je reprends mon Si bémol avec mon majeur. Comment ? Là, je fais un écart, en fait, hein, puisque comme les petits doigts sont moins agiles, bah, j'utilise le majeur jusqu'au mi bémol, j'utilise l'annulaire, et je vais chercher avec mon index, donc je décale après. Je reprends avec le majeur. Et ça, c'est vrai que c'est peut-être pas le doigté le plus fameux. Mais en fait, c'est un peu compliqué.
Y a un autre guitariste qui fait des très très bonnes vidéos qui propose. Ah, pardon. C'est-à-dire qu'il joue pas le do du tout. Donc voilà, il y a plusieurs solutions. En tout cas, moi, comme je joue toutes les notes, je m'impose ça, quoi. Alors, au niveau du thème et de l'harmonie à cet endroit-là, en particulier, donc ça fait Do, Sol, Do, Si bémol. Et avec Si bémol, Sol, Mi bémol, Do. Alors ça, c'est quoi? Bah, c'est un Do mineur majeur 7. Donc c'est comme si on avait Do mineur majeur 7, Do mineur 7, Fa et Fa 7. Hein, puisque quand on arrive sur... On tourne autour du La qui est la tierce du Fa. Donc en fait, on n'a pas le thème, il fait pas Fa Si bémol, mais il fait Do 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 Fa Fa. J'ai chanté un Do. Voilà. Bon, c'est pas capital de prendre tout ça en compte, mais c'est intéressant de voir comment ce thème a été construit. Voilà. Après, dans l'impro, de toute façon, on peut choisir de modifier un peu cette harmonie de base, hein. Le tout, c'est de s'entendre avec le musicien qui accompagne, le pianiste, le contrebassiste. Voilà. Donc la première chose qui est vraiment intéressante dans ce thème, c'est la mise en évidence du côté majeur-mineur. Qui est induit par l'utilisation des accords du blues, notamment l'accord qui se trouve sur le quatrième degré. Donc c'est le deuxième accord du blues. Hein, si je prends ma grille de blues, je commence par un Si bémol. Ici, bon, je joue un Si bémol 13, ça pourrait être un Si bémol 7, tout simplement. Mais quand on va passer dès la deuxième mesure, au Mi bémol 7, ce qui va se passer, c'est qu'on va se retrouver avec cette note-là, la septième du Mi bémol, donc Ré bémol. Bah, du point de vue du Si bémol, Si bémol, Do, Ré bémol, c'est une tierce mineure. Et donc le fait d'utiliser des accords de septième, à la place des accords normalement à quatrième degré, c'est majeur 7. Donc le fait d'utiliser cet accord 7, c'est ça qui va colorer un petit peu la tonalité. C'est-à-dire qu'on passe de majeur, Si bémol majeur, avec une septième mineure, donc déjà du majeur du mixolydien finalement, et puis quand on va passer au degré 4, on va passer en Si bémol mineur. Et en fait, si on regarde bien le thème, c'est exactement ce qu'il propose d'entendre, puisque il joue, c'est-à-dire Ré, Si bémol, Sol, Si bémol, c'est-à-dire Ré et Si bémol, c'est tierce de Ré, de Si bémol, pardon, et Si bémol. Donc on joue bien sur un Si bémol du Si bémol. Et après, Sol, Si, donc Sol, c'est la sixte, et on revient sur Si bémol, la fondamentale. Donc, on revient sur la fondamentale, on insiste sur le côté Si bémol. Et juste après, quand on passe en Mi bémol, on entend. C'est exactement le même motif, mais au lieu d'utiliser la tierce majeure Ré de Si bémol, on utilise la tierce mineure Ré bémol de Si bémol. Il n'a pas joué. Là, j'ai fait le même motif, mais du point de vue du Mi bémol. Et donc là, c'était trop parallèle. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très 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 important, à mon sens, dans la musique et dans le jazz en particulier. C'est-à-dire qu'on va souvent aller chercher d'autres accords, d'autres tonalités, pour modifier un peu le caractère de la tonalité originale du morceau. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Donc première mesure, on est bien en Si bémol. Le fait de jouer mineur ici, on est passé en Mi bémol. On revient en Si bémol. Deux mesures. On arrive à la cinquième mesure, on repasse en Mi bémol, donc on refait le motif en Si bémol mineur. Et on revient en Si bémol. Alors, c'est là où en fait, déjà, même avant ça, c'est-à-dire qu'on a. Vous avez vu, hein, j'ai joué sur la première note, le Ré, j'ai utilisé.
dans la deuxième exposition de mon thème, ces deux notes-là. Donc, ces deux notes-là, en fait, par rapport à mon si bémol, c'est la septième et la tierce. Et quand je passe, je fais glisser ces deux notes-là, je me retrouve avec la tierce et la septième de mon mi bémol. Donc, bon, voilà. Donc, de cette manière-là, on fait entendre un petit peu le mouvement harmonique. Ah oui, alors quand on arrive à la mesure 5, donc on est en mi bémol. Alors très souvent, en blues, on peut avoir mi diminué et puis retour au si bémol. Donc mi bémol 7, mi diminué et retour au si bémol. Là, le thème, si on joue, si on écoute le thème, ça marche. Et si je fais mon mi diminué, ça marche très très bien aussi. Donc on pourrait jouer ça. C'est-à-dire qu'en impro, par exemple, ou en accompagnement, je peux jouer. Voilà. Alors il y a autre chose qui est jouée de temps en temps sur les grilles de blues, quand on arrive à la mesure 5, c'est on est en mi bémol, en mi bémol 7, mi bémol 7-9 ici, et ce mi bémol 7-9, à la fin de la mesure 5, ou dans la mesure 5, on passe à mi bémol mineur, en fait, pour ensuite revenir sur un si bémol majeur ou un ré mineur. Donc là, si on vient sur un ré mineur, l'avantage, c'est qu'on glisse d'un demi-ton. Voilà. Et moi, j'ai l'impression que c'est sur l'enregistrement, au moment de l'exposé du thème, alors vous posez la question et vous pourrez me donner votre avis dans les commentaires, mais j'ai l'impression que Red Garland, au piano, derrière, il joue justement un mi bémol mineur derrière, avant de passer sur un ré mineur. Voilà. J'ai trouvé ça aussi dans les premiers chorus de Coltrane. Donc il joue cette harmonie, enfin cette phrase là. Donc il joue bien un mi bémol mineur à un moment donné. Voilà, avant de passer sur le ré mineur. Donc j'ai pas dit que c'était ce qu'il fallait faire, mais en tout cas c'est une possibilité. Bon, alors le thème. Évidemment, hein, ça frotterait un petit peu parce que le thème à ce moment-là il fait cette note-là, donc ça donnerait ou alors faudrait le faire juste après le thème joué, c'est à faire 3, 4, 1, 2, 3, 4 avant de passer au ré mineur. Voilà, mais ce serait possible. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser donc vos commentaires sur vos ressentis par rapport à ce thème. Et puis, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, à télécharger mon kit d'outils de la guitare jazz si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt !